Chères étudiantes, chers étudiants, bonjour. Bienvenue à l'oration. Bienvenue et merci d'être là. Je déclare cette première édition de l'oration au tampon ouverte. Intégré, intégriste, démocrate, fasciste, complotiste, sioniste, mes respects en ce jour de pluie post-carlossien, le bonjour. Écoutez attentivement. Ce que vous êtes sur le point d'entendre va dérouter votre vie. Faut-il suivre le droit chemin ? La politique, c'est pas automatique. Merci, Lounis, d'avoir accepté de plaider sur ce sujet, qui nous correspond si bien. Toi, le Morpheus pragmatique qui vit dans la politique, et moi, le néo-idéaliste qui la rejette. On retrouve même l'expression dans plusieurs pays, notamment en Espagne, où là-bas l'on dit avec une certaine poésie que même vêtu de soie, la guenon reste la guenon. Tout d'abord, les hommes et les animaux partagent un instinct commun. Vous pas. Crac-crac. Coton, coton. Et puis, dodo. Cher jury, bonjour. À la lecture du sujet qui m'a été présenté, je dois avouer que de nombreuses questions m'ont traversé l'esprit. Des questions toutes aussi pertinentes les unes que les autres, cela ne fait aucun doute, mais je me plais à croire que l'une d'entre elles a particulièrement retenu mon attention. Au fond, qu'est-ce qu'un juriste ? Allons maintenant définir les termes du sujet. Qu'est-ce qu'un juriste ? Malheureusement, je n'ai pas trouvé de définition dans le lexique des termes juridiques du Cornu. Du coup, je me suis laissé aller à ma propre définition. Pour moi, le juriste est un être supérieur qui est irrigué par la sainte science juridique. Subjectivité, arguez-vous, qu'à cela ne tienne. Cette phrase que je viens de dire a suscité autant de compréhension que la phrase que vous lisez lorsque votre chargé de DD rend votre TD. Continuez vos efforts, vous êtes sur la bonne voie. 2. Pour rebondir sur le sujet des notes, qui dit notes dit examen. Pendant 3 heures, lors de la colle, on écrit. Et pendant ces 3 heures, on sent que plus tu écris, plus tu t'éloignes du droit pour aller vers un BTS bois. Alors, je vous en prie, n'agissez pas en irresponsable. Ne cédez pas à la propagande. Ne vous laissez pas tromper. Ce n'est pas en détruisant l'herbe de votre voisin que la vôtre sera plus verte. Une véritable pollution mentale pour les spectateurs. Et si l'on parlait de l'opinion du président des États-Unis à l'égard des femmes ? Rappelez-vous de son fameux « Grab him by the pussy ». Mais ça ne se fait pas d'attraper un chat. Dans le même genre, il s'est demandé, sur Twitter, sinon ce n'est pas drôle, comment Hillary Clinton pouvait satisfaire son pays si elle ne satisfaisait pas son propre mari. Et oui, ce personnage contamine son environnement avec ses propos salement misogynes. Et là, on commence à craindre pour la première puissance mondiale. On passe de « Yes, we can !» à « Make America garbage !» Let's go.
15h sur son TD et se taper un stat sur 20. T'entendre le chargé TD te dire non mais c'était bien. Bosser nuit et jour sans relâche, oublier le visage de ses proches. Pour finalement ne pas passer à 0,5 ans près. Au droit, au désespoir. Cette infamie, au droit, au désespoir, aux jeunesses ennemies, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Entre les cernes et le café, la fatigue et la mauvaise foi, on se répète que c'est foutu et qu'on n'y arrivera pas. Mais faut pas se leurrer les amis, c'est bien pour ça qu'on l'a choisi. Ce droit qui nous fait tant souffrir, mais qui nous fait aussi frémir. Au droit, au désespoir, aux jeunesses ennemies, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Au droit, au désespoir, aux jeunesses ennemies, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie?